Link et Bang. Nouveau héros de l'univers, l'aventure vous attend. L'espace vous est ouvert. Link et Bang. Une petite planète vous appelle. Nous vous accompagnons. La journée est si belle. Bonjour, ici Alley, j'appelle Bing et Bong. Votre mission aujourd'hui consiste à découvrir ce qui se passe sur la petite planète de la nature au sujet des saisons. Bonne chance. Oh, regardez toute cette neige. Tu as fait remonter le thermomètre. Ça a réchauffé l'arbre. Ça l'a réveillé. Bong est dans la grotte. Chou. La machine à faire les saisons fait le printemps. Là, c'est l'été. Attention, c'est juste pour goûter. Ah, c'est l'automne. Et maintenant, c'est l'hiver. Vous avez bien travaillé tous les deux. Les arbres changent selon la température. Et maintenant, vous savez pourquoi ils fleurissent ou ils perdent leurs feuilles. Ça dépend des saisons. Au revoir, Bing. Au revoir, Bong. Ici, c'est Alley qui vous dit à bientôt. Petite planète vous appelle, nous vous accompagnons. La journée est si belle.
dis allez, j'appelle Bing et Bong. Votre mission consiste à vous rendre sur la petite planète de la nature et à découvrir ce que ça fait d'être de taille différente. Amusez-vous bien! Regardez! En passant la porte, Bing est devenu immense! Fais attention, Bong! Tu es passé par l'autre côté! Regardez! En passant par l'autre côté, Bong est devenu minuscule! Vous avez vu comme les doigts de Bing sont grands? Normal. Bing et Bong. Bing est grand et Bong est petit. Mais c'est une question de point de vue. On peut être grand ou on peut être petit. Tout dépend de qui est à côté de nous. Au revoir, grand Bing. Au revoir, petit Bong. Ici, c'est Alec qui vous dit à bientôt. Bing et Bong.
s'appelle Bing et Bong. C'est une belle journée pour faire un pique-nique sur la petite planète des choses. Votre mission consiste à faire en sorte que le partage soit équitable. Amusez-vous bien. Vous avez faim? Une moitié pour Bing, une moitié pour Bong. Deux morceaux, tous les deux pareils. Oh, on dirait qu'il y a de la compagnie. Un, deux, trois, quatre. Voilà quatre parts, toutes de la même grosseur. Oh oh, encore des bouches à nourrir. Ça ne va pas laisser beaucoup de gâteaux. Il faut 8 morceaux à présent. Oh, elle a l'air très affamée. Oh, comme c'est mal élevé, sans même vous dire merci. Un gâteau, vous devez être équitable. Faire pour tous des parts égales. Couper pour faire deux morceaux, pour en faire quatre, couper encore une fois. Et rappelez-vous d'en garder une pour moi. Au revoir Bing, au revoir Bong. Ici c'est Alex qui vous dit à bientôt. Bing et Bong, les héros de l'univers.
s'appelle Bing et Bong. Il y a plein de spectateurs sur la petite planète des choses, mais il n'y a rien à voir. Votre mission consiste à assurer le spectacle tous les deux. Bonne chance! Il n'y a que des carrés, excepté un triangle. Pourquoi? Classer les choses selon leur forme, on peut aussi les classer d'après les sons. Certaines choses sont des carrés et d'autres sont des ronds. Certaines personnes poussent des cris, d'autres des grincements, mais vous pouvez les classer selon leur façon de parler, tout simplement. Au revoir Bing, au revoir Bong. Ici c'est Alec qui vous dit à bientôt. Les héros de l'univers, l'aventure sera longue.
s'appelle Bing et Bong. Les Flockers essaient de déplacer une énorme statue sur la petite planète de la technologie. Votre mission consiste à rendre leur travail plus facile. Bonne chance! Chose. Ça a l'air vraiment très très lourd. Les rouleaux que Bong a dessinés ressemblent à ses crayons. Très bonne idée, Bong. Si les Flockers posent leur lourde statue sur des rouleaux, ce sera beaucoup plus facile à bouger. Les rouleaux qui sont derrière et de les mettre devant. Voilà, tout est prêt pour que ça roule. Des roues? Ça bouge bien maintenant. Pousser ou tirer, des roues on peut utiliser. En posant l'objet lourd sur un plateau roulant, on peut le déplacer beaucoup plus facilement. Au revoir Bing, au revoir Bong. Ici c'est Alec qui vous dit à bientôt.
ici Alain. J'appelle Bing et Bong. Sur la petite planète de la technologie, le sol est extrêmement glissant. Votre mission consiste à trouver un moyen pour marcher dessus sans tomber par terre. Amusez-vous bien, mais soyez prudents. Regardez comme ça brille. Mais c'est aussi très très glissant. Attention! C'est très glissant. Là, c'est très glissant. Et là, ça ne l'est pas. De la colle? C'est pour quoi faire? Maintenant, le capuchon ne peut plus bouger. Hé, où est-ce que vous allez? On dirait que les pieds de Bing sont collés, eux aussi. Ce morceau de moquette, c'est pour quoi faire? Bing a réussi! À présent, ils peuvent traverser sans déraper ni glisser. On peut se faire mal en dérapant et en glissant. Mais c'est rigolo de glisser pourtant. Un peu de moquette bien collée, ça permet de marcher sans glisser ni tomber. Au revoir Bing, au revoir Bong. Ici c'est Alec qui vous dit à bientôt.
Calais. J'appelle Bing et Bong. Je crois que vous allez bien vous amuser aujourd'hui sur la petite planète de la lumière et des couleurs. Votre mission consiste à découvrir comment mélanger certaines couleurs entre elles pour en obtenir d'autres. Bonne chance! Bing les fait repasser dans les flaques pour qu'ils retrouvent leur couleur d'origine. Bonne couleur pour cela. Hey, regardez, des empreintes de pieds rouges et des empreintes jaunes. Mélangées, ça fait orange. Les empreintes de pieds rouges et bleus mélangées, ça donne du violet. Oh, c'est bien vu, Bong. Bleu et jaune, ça fait vert. Ainsi, en mélangeant les bonnes couleurs entre elles, ça donne une troisième couleur différente. Bien joué, Bing et Bong. Pour faire de l'orange, mélange du jaune avec du rouge. Mais si tu mets du jaune avec du bleu, ça fait forcément du vert. Et si tu veux du violet, c'est facile à faire. Il faut verser du bleu et ajouter du rouge. Au revoir, Bing. Au revoir, Bong. Ici, c'est Alec qui vous dit à bientôt. Petite planète vous appelle, nous vous accompagnons.
Chapelle Bing et Bong. Aujourd'hui, votre mission consiste à découvrir comment les arcs-en-ciel apparaissent et disparaissent sur la petite planète de la lumière et des couleurs. Bonne chance! Comme il a l'air haut et loin. Oh, un arc-en-ciel. L'arc-en-ciel a disparu quand cet autre nuage est passé au-dessus de nos têtes et qu'il a caché le soleil. Il a disparu à nouveau. Mais cette fois, la pluie a cessé de tomber aussi. Maintenant, il y a un arc-en-ciel sur Bong, mais seulement quand il y a des gouttes d'eau autour de lui. C'est tout à fait ça. Pour qu'il y ait un arc-en-ciel, il faut impérativement de l'eau, comme celle de la pluie ou d'un arrosoir, par exemple. Nous avons de l'eau, mais où est l'arc-en-ciel? Il est ici! Mais pourquoi ne peuvent-ils pas le voir? Est-ce que c'est le soleil? Mais oui, vous devez être entre le soleil et l'eau pour pouvoir voir l'arc-en-ciel. Youpi! Bien joué, Bong! Clair et ensoleillé, pas d'arc-en-ciel, c'est réglé. Le soleil brille à travers la pluie, l'arc-en-ciel revit. J'adore les arc-en-ciel. Au revoir, Bing. Au revoir, Bong. Ici, c'est Alex. Je vous dis à bientôt.
ici Alain, j'appelle Bing et Bong. Il y a un grand concert en plein air sur la petite planète du son. Votre mission consiste à faire en sorte que le public entende bien la musique. Bonne chance. Oh, ce floqueur doit être une énorme vedette pour être conduit comme ça. Oh zut, personne ne peut la voir, elle est beaucoup trop loin. Maintenant, ils peuvent la voir, mais ils ne peuvent pas l'entendre. Quel fiasco! La scène. Et pourtant, il chante pas mal. Regardez, on peut voir les notes de musique qui s'envolent directement dans les airs. C'est pour ça que personne ne les entend. Et là, les notes de musique rebondissent sur le plafond et sont renvoyées vers le public. Ah, c'est bien mieux. Avec ça, le public pourra la voir. Quand on est dedans, quand il rebondit sur un mur ou sur un plafond, tout le monde peut l'entendre et c'est vraiment bon. Au revoir Bing, au revoir Bong. Ici c'est Alec qui vous dit à bientôt. Thank you.
J'appelle Bing et Bong. Sur la petite planète du moi, les floqueurs essaient de faire des exercices, mais ils ont besoin d'aide pour les faire en s'amusant. Bonne chance! Ces floqueurs ne s'amusent pas du tout en faisant leurs exercices et le professeur a l'air vraiment fâché. De la musique? Oh oui, maintenant c'est sûr, ça va changer un peu les choses. Avec ça, on a plaisir à faire les exercices. Intéressante et c'est également un bon exercice. Oh oh, le professeur de gymnastique est de retour. D'apprendre aux floqueurs à danser. Si tu n'aimes pas trop courir, mais que tu aimes bouger, alors fais-le en rythme, ça va bien t'amuser. Au revoir Bing, au revoir Bong. Ici c'est Alec qui vous dit à bientôt. Petite planète vous appelle, nous vous accompagnons.
j'y allais. J'appelle Bing et Bong. Notre mission aujourd'hui consiste à découvrir comment faire cuire un gâteau sur la petite planète des choses. Bonne chance. Ce gâteau a l'air délicieux. Maintenant, Bing et Bong sont prêts pour faire leur gâteau. Des choses un petit peu bizarres dans le saladier. Ça t'indique tout ce dont tu as besoin pour faire le gâteau. Tu es sûr que c'est comme ça qu'il faut faire ? Regardez, la fiche vous montre quelles sont les doses pour chaque ingrédient. Deux tasses de farine, un morceau de beurre, six cerises, et trois œufs. J'ai plein de choses, mais c'était n'importe quoi. Finalement, ils ont pris une recette et l'ont suivi mot à mot. Le gâteau fut alors excellent. Un vrai gâteau de roi. Au revoir, Bing. Au revoir, Bong. Ici, c'est Alec qui vous dit à bientôt. Bing et Bong.
Joyeux anniversaire, Bong! Il y a plein de surprises pour toi sur la petite planète du mois. Aujourd'hui, Bing, ta mission consiste à aider Bong à se montrer patient pendant que tu prépares la fête. Amusez-vous bien! Oh, Bong est très excité. Ce n'est pas encore l'heure d'avoir les cadeaux. Bong va devoir attendre encore un peu. Bonne idée! Si Bong fait une petite sieste, Bing va pouvoir finir de préparer la fête. Oh oh! Bong est à nouveau très excité. Mais oui, Bong peut lire un petit livre en attendant. Ah, fabriquer des chapeaux pour la fête, c'est une bonne idée. Comme ça, Bong donne un coup de main. C'est l'heure de la fête. Joyeux anniversaire, Bong! Quand tes amis te préparent une fête pour te souhaiter ton anniversaire, reste tranquille et calme et occupe-toi. Si tu réussis à être patient jusqu'au dernier moment, tu seras en forme pour souffler les bougies et t'amuser follement. Au revoir, Bing! Au revoir, Bong! Ici, c'est Alec qui vous dit à bientôt!
appelle Bing et Bong. Votre mission consiste à aller sur la petite planète du mois à la fête d'anniversaire de Phyllis Flocker. Et pour y aller, prenez ce que vous pourrez. N'oubliez pas votre cadeau! Oh zut, ils ont raté le bateau! Ils vont être en retard à la fête! Bonne idée, Bing. Se servir des patins pour faire des roues. Super. Oh, pauvre Bing. Il semble épuisé. Aider à tirer le banc et comme ça, Bing ne va pas se fatiguer. Oh, le vent est beaucoup trop faible pour que le cerf-volant s'envole. Maintenant, ils sont bloqués. Utiliser le ventilateur pour souffler sur le cerf-volant. Pauvre Flocker, tout le monde est en retard à sa fête. Un banc à voile! Quel merveilleux cadeau! Oui, bonne fête à vous tous! Un patin, c'est juste un patin. Un cerf-volant et un ventilateur, c'est pareil. Mais si tu es malin, tu associes ces éléments, tu ajoutes un banc et tu as un banc à voile pour aller jusqu'aux étoiles! Au revoir Bing, au revoir Bong! Ici c'est Alec qui vous dit à bientôt!